9 février, venez découvrir au Polyed l'exposition de photos d'avions et d'ULM de Stéphane Delange, un ancien journaliste aéronautique. Je suis journaliste aéronautique. J'ai travaillé pas mal d'années pour le magazine Aviation Internationale. Et donc, où je faisais de la photo, de la vidéo, des reportages. J'ai pu voyager pas mal à travers le monde. C'est pour ça que vous avez des images d'un peu partout. Des États-Unis, du Brésil, de France évidemment, République tchèque, enfin tout, l'Italie, je suis allé plusieurs fois en Italie aussi. Donc tout ça pour rencontrer des constructeurs ou des motoristes, enfin tous des acteurs de l'aéronautique et passionnés par leur métier. Donc je suis monté dans pas mal de machines, j'ai pu faire des essais de pas mal de machines et assister à pas mal de démonstrations en vol chez différents constructeurs. Celui-ci, c'est un avion particulier. Oui, là, on a le mono turbopropulseur le plus rapide du monde, qui est français, qui est fabriqué à Tarbes. Donc ça, c'est des images au-dessus des Pyrénées. Donc ça, c'est un avion américain, c'est le Meridian. Et là, c'est un avion qui est vraiment sécurisé et qui est vraiment sécure à tous les niveaux dans le domaine de vol. Franchement, pour rater quelque chose avec cet avion ou pour faire une mauvaise manœuvre, il faut vraiment le faire exprès et il pardonne beaucoup de choses. C'est un avion qui est aussi simple à piloter, malgré sa turbine, qu'un avion d'aéroclub où tout le monde peut piloter. Stéphane Delange nous invite à essayer un tour en avion dans notre belle région. Donc, que ce soit en montagne, quand vous faites un tour en avion au Mont Blanc ou en hélico, donc vous n'avez pas le même rendu et le même aperçu du paysage. Et nous, on a la chance ici en Haute-Savoie d'être dans un environnement quand même assez varié, assez exceptionnel à ce niveau-là. Donc, ça, c'est dans le Mont Blanc, par exemple, l'hélico, là aussi. Si on a l'occasion de voler dans le Mont Blanc, de faire un tour d'hélico ou un tour d'avion, il y a des clubs qui font ça, des baptêmes de l'air, il ne faut pas s'en priver. Courez vite voir cette belle exposition au Polyed. 9 février.